Tabarnak, guys, es-tu complètement viré sur le top, ce style-là? Salut, la gang, c'est Fiberglass à mes méthodes. J'ai pas le temps pour les mêmes petites conneries que d'habitude, parce que je suis là pour péter une coche, esti. Conor McGregor, qu'est-ce que tu colisses? Sacrament, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par le début, là, parce que c'est complètement fucked up, cette histoire-là. Genre, de un, ça commence pas à Bellator, ça commence, esti, au combat d'Artem Lobov. Là, il est là à faire les petites clowns, même à courir, à hurler comme un bon. Puis là, t'as Mark Goddard, l'arbitre, qui a dit de fermer sa calisse de gueule. Parce que d'un, le gars, c'est pas un cornerman. Si, les gars, il y a ses cornermen déjà là pour y crier des affaires. Puis oui, si t'es un spectateur, t'as le droit de crier n'importe quoi à n'importe qui. Mais du moment que t'es rendu debout, puis tu tournes à l'entour de la cage, si, pour donner des conseils aux autres, ben là, gros, t'es plus un calisse de spectateur, là. T'es un cornerman, le gros, OK? Fait que là, il y a ça, il y a ce petit incident-là, puis là, ça fait parler. Bon, c'est un gars, il est malade, le gros. Puis là, sacrément, je pense que vous l'avez tous vu, le vidéo à Bellator. Si vous l'avez pas vu, ça, on va en parler, parce que c'est drôle d'en parler, anyway, là. Son chum Charlie Ward, avec qui il s'entraîne, il a gagné son combat par KO. Je sais pas trop, j'ai pas vu le combat, là, j'ai pas eu le temps d'écouter la carte Bellator. Mais McGregor, esti, il est encore un partisan, là, il était pas dans son coin, rien, il était encore dans la foule parce que Bellator avait lieu à Dublin, en Irlande, dans le fond, là. Fait que c'était encore un esti spectateur qui a pas rapport, le gros. Puis quand le combat est fini, il a popé en cage, il est allé sauter sur son chum. Il a tellement sauté dans la face que même son chum se demandait qui c'est ça, tabarnak, qui a même pas l'air sûr, esti, que c'était McGregor. Avec son esti de côte en fourrure, genre. Puis là, comme de fait, c'est encore Mark Goddard, le ref. Fait que là, il dit, cet esti-là, il me niaisera pas encore. Fait qu'il est allé le pousser, il dit, de coller son camp. Mais là, l'esti de tata McGregor, il a poussé le colis de ref, puis il est parti après. Hey, le gros, qu'est-ce que tu colis, McGregor, man? T'as genre 1500 gars qui veulent se battre contre toi, mon esti de cave. Tu vas te pogner contre des esti de refs de 6 pieds 5, genre 250 livres, sont plus gros que les calices d'heavyweight quand ils arbitrent des combats d'heavyweight. Toi, le cave, tu allais te pogner contre lui, man. T'es allé voir, Mark Goddard, tu t'es battu à MMA, le gros, il y a une fiche de 7-6 de quoi de même. Gros, McGregor, tu vas te faire coller ça à Reims par un ref, le gros? Tabarnak! Genre, t'es-tu vraiment, t'as tellement de cash que genre, tu t'en colles rien qu'à ce point-là, pis tu fais absolument n'importe quoi que ça te tente. Parce que c'est pas tout, colles, là. Là, il y a une autre vidéo, là, il y a une autre vidéo, pis je vais vous va le pogner, là, cette vidéo-là. J'essaie de le trouver en version Facebook, sinon je vais vous sharer le lien YouTube sur la page de mes talks, là. Vous allez pouvoir le checker. Mais quand il s'est fait coller dehors de la cage, après que tout ça s'est arrivé, là, ben, il était encore là à courir à l'entour de la cage comme un esti de clown. Il a remonté sa cage. Pis, t'sais, il courait à l'entour. Il y a du monde de Bellator qui courait après. Genre, les gros, s'il te plaît, arrête, t'sais. Ça colle, c'est ben, arrête. Il a ressauté sa cage. Pis là, il y a un gars de Bellator qui est allé. Pis, t'sais, l'agent, je sais pas si c'est un gars de la commission ou un gars de Bellator, mais c'était en Irlande. Et nous, y a-t-il une commission en Irlande? On s'en calisse, man. Là, d'autres gens qui étaient là. Je pense que c'était un gars de Bellator, là, ce que j'ai cru comprendre sur la nouvelle pis tout. Le gars, il a quasiment collissé Connor en bas du top de la cage. Fait que Connor, qui s'en collisse, il t'a le slappé, mon gars, mais genre, open and slap, là, dans le tac, elle s'en pleine gueule du dude, man. Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Sacrement, c'est du délai, ça, c'est du délai. Puis le gros, c'est du délai parce que Connor McGregor, c'est 85-90% de tout le calice d'argent qui se génère à MMA, ok? Fait que genre, il se passera rien, man! Do fucking non! Ils feront rien, calice! Ils vont peut-être donner une petite amende, une amende, pis donc le gars a fait 100 millions, pis tu dis, allez, 200 000 d'amende, comme ça, t'as l'air bien méchant, vous savez quoi, 200 000, esti? Il peut se torcher avec 200 000, ce calice-là, tellement qu'il y a du blé, ok? Fait qu'ils vont lancer une petite amende, le suspendre, genre, 30 jours de quoi de même, le gros, il se passera rien, tabarnak, c'est ça qui est fucked up. T'as Jason High, esti, qui est rendu, qui se bat dans la Pro Fighters League, le Professional Fighters League, le style d'affaires de World Series of Fighting, que ça l'a encore changé de nom du calice, là. Il se bat là-dedans, tabarnak, parce qu'il s'est fait calisser dehors du UFC, parce qu'il a poussé un ref, hein, il a poussé un ref de même dans le combat, le gros, pis... Non, il a pas poussé un ref après un fight, partir après lui, vouloir péter à gueule, il hurlait après, que t'as 4 gars qui essaient de l'empêcher. Pendant que si tu pousses le ref dans le gars qui vient de faire knock-out, attends, il comprend ça, il y a une main esti sur le bord de la cage, puis il reçoit Mark Goddard, il reçoit du monde dans lui, parce que l'autre esti de tata à McGregor, qui est en train de juste s'en colisser, de foutre la merde de long en large, à Bellator, le gros, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire là-dessus, mais je pourrais continuer à crier comme un esti de cave, mais ça fait 5 minutes, donc je vais fermer ma colisse de gueule, on se voit une prochaine fois.